Entrez. Coucou les abonnés. Coucou Inès Baby Reborn. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-le-nous dans les commentaires. Voilà. Ce dimanche, tout gris dans toute la France pratiquement. Ouais. C'est pas la plus belle journée qu'on a eue, mais on fait avec. On aura du beau temps, on approche le printemps. Ouais, j'ai hâte. Coucou les abonnés. Voilà, donc on est en compagnie de Maman Reborn, ou Reborn. Voilà, et aujourd'hui, on va vous faire la vidéo pour Pâques. Donc on va vous montrer ce qu'on a acheté pour Pâques. Parce que Pâques, c'est bientôt. Oui. C'est en avril, c'est le combien? Vers le 20, non, je sais plus. Je sais plus en fait. Je vais pas dire bêtises. On vérifiera tout à l'heure. Ouais, parce que j'en ai plus la moindre idée. Avec toutes les fêtes qu'on fait. Mais c'est en avril. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous faire la vidéo. Donc on va vous montrer les achats que nous avions fait. Qu'on a tout acheté. Action. Action. Oui, voilà. De toute façon, c'est soit Jiffy, Action, où on va, ouais. Tati, les petits magasins pas chers, quoi. Et on a trouvé pas mal de choses et très jolies. Allez, on va montrer tout ça alors. Et d'abord, nous sommes toujours en compagnie de Elisabeth et de Charlotte. De Elisabeth et de Charlotte. Donc alors, nous allons commencer par le premier article qui est 10 œufs lumineux. Donc il y a 10 œufs lumineux, il y en a des blancs et des roses. Et donc c'est une petite guirlande. Trop jolie. Ouais. Ça va être magnifique pour Pâques. Ouais. Magnifique. Ensuite, pour le deuxième article, nous avons donc un genre de... Une sorte de nappe, enfin un rouleau de nappe en dentelle. Voilà, avec pour des mettre, petites fleurs. Voilà, pour mettre sur les tables, sur des cheminées, sur des bordures, pour voilà. Mettre voilà, des œufs. C'est vraiment trop mignon. Pour le troisième article, nous avons... Donc alors, c'est un petit lapin. Mm-hmm. Et vous savez, le matin, quand on déjeune pour faire des œufs à la coque. Voilà, bah, on met ça là-dedans. Voilà. Trop mignon. Ensuite, pour je sais plus combien article. C'est le troisième article. Ou quatrième, on s'en fiche. Voilà, donc c'est un petit bac avec des œufs en chocolat. Mmh, faut pas que ça fonde dans la pièce. Non, c'est bon, il n'y a pas de risque. Mmh. De la paille verte pour faire des petits nids et mettre des œufs dedans. Ouais, ça va être rigolo à faire, à fabriquer nous-mêmes. Oui. Ensuite, ici, nous avons un grand petit lapin. Un grand gros petit lapin, trop mignon. Regardez-moi ça. Avec sa carotte. Donc c'est en terre cuite, je pense. En plâtre. Je le trouve trop beau. Ouais, il est beau, hein. Faut pas le casser, hein. Oui, c'est pour ça que j'ai évité de le prendre et de le montrer comme ça. Il est vraiment joli, donc on peut le mettre en face d'une porte d'entrée, dans un jardin. Ouais. S'il pleut pas, bien sûr. Et voilà, pour préparer vraiment Pâques. Voilà. Pour les petits et les grands. Ensuite, donc ça c'est pour faire des petites boîtes, c'est du carton pour pouvoir mettre les œufs après dedans. Ah, c'est trop chouette. Et okay. Puis derrière, on a de la paille. Voilà, Charlotte et Elisabeth effectueront l'activité. Voilà. Ensuite, donc nous avons un petit poussin. Oh, trop mignon. Les petits poussins.
qui vient de sortir de son œuf. De son œuf. Trop joli. Là, il y a des fleurs. Il ouais. y a un petit papillon là. Jolie décoration, vraiment. Voilà. Et trois. Donc ensuite, là, nous avons des œufs. Il y en a 25. Voilà, en plastique, on dirait des vrais, hein. Ouais, on dirait des petits jeux de dinosaures. Tant qu'il n'y en a plus. Oui, c'est quand même mieux. On serait en voie de disparition, sinon. Depuis longtemps. On serait le petit repas des dinosaures. Il n'y aurait que les dinosaures sur Terre. Ouais, on serait leur petit toast. Ouais, ouais. Bon, allez, soyons sérieuses. Sérieux. Donc voilà, les petits œufs. Alors, que vous trouvez Action? Imitation vrai œuf. De dinosaures. Mais vraiment bien. Voilà. Ensuite, nous avons. Alors. Bah, ça, c'est un peu pareil qu'avec le lapin rose là. Voilà. Sauf que là, tu peux les peindre à ta façon. Cool. Ça, je vais garder pour mon travail, tiens. Une activité manuelle pour les petits. Ça, ça va être bien. Ouais, c'est trop mignon. Et pour les grands? Oui. Après, nous avons donc encore une guirlande lumineuse avec oui. des œufs. Et regardez ce que ça donne. Joli, hein? Ouais. Magnifique. J'aime bien, moi. Trop bien. Alors, ils ont fait un petit bouton là pour vous donner un petit aperçu. Voilà. En sachant qu'il y a quand même la pièce là pour mettre des piles. Oui. Voilà, pour qu'on puisse les mettre où on désire. Voilà. Ensuite, nous allons passer en dessous. Tchou, tchou, tchou. Et on va commencer par ce joli oh, lapin. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Alors ça, ouais. on le mettra dans le jardin. On va faire une jolie décoration dans le jardin. On vous montrera tout. Voilà. Et comme ça, ce sera aussi bien pour les petits que j'accueille, les ouais. parents. Et les rebords pour faire nos vidéos, nos mises voilà. en scène. Voilà. Trop mignon. Et ouais. toujours donc à Action. Ensuite, nous avons des petits bougeoirs. Oui. Trop joli. Il y a des œufs encore de dinosaures. Vraiment voilà. bien fait, hein. C'est vraiment pas cher. J'adore. Ouais, c'est trop mignon. Vraiment pour décorer sur une cheminée ou n'importe où, sur une table. Ça va rendre vraiment bien. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons alors des serviettes avec un lapin. Voilà. Ensuite, on vient de remarquer qu'on avait encore des œufs, bah, un peu plus clairs cette fois-ci. Un peu plus clair. Voilà. Ça va faire beaucoup de dinosaures à la maison. Ensuite, nous avons encore un lapin, mais cette fois-ci en rose. Donc là, c'est la femme, la maman. Oui. Et là, c'est le papa. Voilà. Voilà, trop choupinou. Ouais. C'est vraiment bien fait. Et ensuite, pour terminer, on a des petites lunettes. Comme ça. Donc ça, c'est pour les grands, Charlotte et Elisabeth. Voilà.
abonnés. Oula, ça tombe. On a fini. On a fini de tout vous montrer. Dites-nous en commentaire ce que vous avez le plus aimé. Et si bah, vous aimez mes nouvelles lunettes. Voilà. Voilà. Là, tu vois bien. Ouais. Tu ne vois pas que des lapins. Si. Et voilà, donc les idées pour Pâques. Ouais. Ça te va très très bien, Inès. Merci. Tu m'as l'air bien. Moi, je te jure, là. Bah quoi, les lapins, ils ont des cheveux, enfin des poils, mais tant pis. Bah maintenant, vous aussi, vous avez des lunettes. C'est trop marrant. Et c'est marrant, ton téléphone, il met de près les lunettes. Et ah ensuite, ouais. Quand je rapproche, c'est toi qui zoome. Ah non. Allez, un peu plus sérieux. Oui, parce que là, on n'a pas été sérieux durant toute la vidéo. Mais c'est bien de rire de temps en temps. Bah oui, hein. Oh oui, ça va, hein. Bah oui, hein. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'avais dit avant? J'avais dit, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé, donc dans les achats. Bonjour. Bon allez, un peu de sérieux. Je t'ai vu prendre des lunettes sur le côté. Et je vais... Ah. Elle va délirer, maman. Bon ben on espère que les affaires qu'on a achetées vous auront plu. Oui. Et du coup, voilà, moi je te laisse, hein, c'est ta chaîne, Inès Baby. Bah oui, mais tu m'accompagnes et puis tout le monde t'adore. Hein. Oh, moi aussi, je vous adore tous. Donc bah voilà, on a fait le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je vais continuer le rebond des 80 000 abonnés. On approche très vite. J'ai presque fini. Je prépare aussi ses petits vêtements pour mettre dans son colis pour la future gagnante. Voilà. Et donc voilà, donc je ne vais pas trop traîner à te tenir ton téléphone, mademoiselle. Donc bah, on va en finir maintenant. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et activer la cloche de notification. À très bientôt les abonnés. À très bientôt mes très chers abonnés que j'aime de tout mon cœur.